Je m'appelle Lubna Armen. Je suis chanteuse et comédienne. Je fais les études de théâtre, mais aussi je chante et j'ai un groupe de musique qui s'appelle Hess, que j'ai fondé avec mon partenaire et mon mari Mahdi Chakroun, le compositeur et le joueur de oud. J'adore faire la carrière de la chanteuse et de la comédienne. J'aime beaucoup ce métier. Il me ressemble beaucoup, il me soulage, il me donne des possibilités de vie et de rêve. Je n'ai pas fait des études de musique, je suis autodidacte. Je chante à la façon de la tradition orale. Ils me disent, mes parents, mes proches, mes sœurs, ils me disent que depuis que j'étais très petite, j'ai adoré chanter, danser et jouer, faire le clown. Ma relation avec la musique, elle est organique, quoi. Mon premier album, il était nommé Kenya Maken, il était une fois. Et ça parlait beaucoup de la révolution, des chansons à texte, des chansons aussi du patrimoine tunisien que je travaille beaucoup. Et maintenant, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle El Waled, qui parle de la femme, qui parle des histoires de femmes tunisiennes, des femmes généralement aussi. L'artiste, il a un grand enjeu par rapport à l'humanité. Et c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur les chansons à texte qui parlent de la liberté, qui parlent de l'amour, qui parlent de la paix. Mais aussi, je travaille beaucoup sur des petites histoires simples, des chansons haïku, des petites phrases, pas longues, où il y a plein de messages d'amour et de paix. Et je pense que le monde entier maintenant, il a besoin de cette bouffée. Notre solution, c'est travailler beaucoup l'art et pousser les expériences des artistes pour vraiment toucher les gens. Rêve de travailler avec des artistes qui ne me ressemblent pas artistiquement ou dans le choix vraiment, mais que je trouve des connexions avec eux. Mon rêve aussi, c'est de réaliser le projet de Waled,
de faire des tournées avec ce projet, car ce projet, il est très authentique, mais en même temps très ouvert musicalement. Il est enraciné, il parle de notre musique traditionnelle tunisienne, mais aussi il est ouvert sur toutes les musiques du monde. Ce métissage, moi j'adore métisser, travailler sur beaucoup d'aires de musique, chercher, faire des expériences, des rencontres. La nature, l'amour, la naissance, l'espoir, l'arbre, l'argile, tous ces symboles. Parler avec les gens avec ta propre langue, qui est l'art et la musique, trouver des belles réactions, des belles émotions, des belles énergies.